Villageois, il faut être prêt à réagir maintenant. Réagir contre la furie barbare de l'envahisseur japonais. Nous devons tous lutter avant qu'il ne soit trop tard. Lutter maintenant. Les Japonais pillent notre pays et nos maisons. Chaque jour, vos familles, vos amis, notre peuple risquent d'être massacrés, torturés, violés par les Japonais. C'est l'ennemi. Ils nous tueront tous. Nous devons nous unir, faire un bloc pour vaincre les Japonais, libérer notre pays et ensuite vivre enfin en paix. Il faut laver l'affront. Il faut s'unir et repousser l'envahisseur. C'est notre destin à tous. Il faut être prêt à riposter. J'ai un plan pour sauver notre pays. Vous êtes prêts à l'accepter? Il faut rassembler toutes les armes disponibles. Nous avons tous rendez-vous ici à 8 heures. Notre peuple vaincra! Notre peuple vaincra! Des informations aux Japonais. Des innocents sont morts, espèce de faux. Fais pas le con, Philippe. Écoute-moi. Tous les deux, on peut se faire du fric. Roger, c'est pas la peine. Mon pays, jamais je le trahirai. Si tu me tues, Philippe, mon frère prendra sa revanche. Les Japonais mettent ta tête après, Philippe. Je vais te tuer, petit con. Mais non, c'est toi qui vas mourir, connard. Bonjour, mon général. Ah, capitaine K. Asseyez-vous. Mon général, on a failli avoir l'Américain. Il a échappé de justesse, mais mes hommes sont après lui. Satisfait? Je veux des résultats, pas des semi-échecs. Et à cause de votre incapacité, on a déjà perdu un temps considérable. Capitaine, vous en subirez les conséquences s'il vous échappe de nouveau. Je suppose que vous êtes conscient du danger que représente cet homme. Je vous assure, mon général, que mes hommes l'auront, mort ou vif. Mon général... Attendez. J'ai reçu des informations à propos d'une rébellion des paysans. Ne les sous-estimez pas, capitaine. Tuez-moi ça dans l'œuf. Maintenant, il faut éviter que ces chiens ne prennent les armes. Ce sera fait. J'y compte bien. Ici. Tu connais un certain Max? Oui, c'est mon patron. Mais il n'est pas au village. Oh, capitaine, il y a un problème? Ça dépend pourquoi. Où est Max? Oh, il travaille au champ depuis ce matin. Il devrait... Bonjour, officier. Je peux vous aider?
Venez avec moi, j'ai des questions à vous poser. Ce que je vais vous dire est d'ordre privé. C'est un ordre. Je n'ai rien à cacher. Lorsque je donne des ordres, c'est pour être obéi. Et ne fais pas le malin, connard. Un moment. Pour qui me prenez-vous donc? Pour un criminel? C'est un ordre. Bien, je mets une chemise. Tu n'en as pas besoin. Bandit, ma chemise. Oh! Viens. Monsieur l'officier, par pitié, ne faites pas de mal à mon mari. À condition qu'il obéisse. Ne t'inquiète pas, Mandy, je serai bientôt de retour. Allez, rentre à la maison. Allez, on y va. Ah, non, toi là-bas, attrape-moi, monsieur. Tu vas te dire tranquille, salaud. Allons-y. Ils viennent tous les deux. Non, Max. Tu vas me dire où se trouvent les armes, connard? Va te faire foutre. Tu veux jouer au dur? Je vais te faire avouer, mon gars, tu peux me croire. Connard, tu n'es qu'un traître. Tu ne feras jamais trahir mon pays ni cracher sur mon honneur. Tu peux aller au diable. Capitaine, qu'est-ce qu'on fait de celui-là? Hill, si tu parles, je te laisse partir d'ici sain et sauf. Je sais rien. Je ne suis qu'un employé, officier. Menteur. Tu parles ou je te tire une balle dans la gorge? Parle, salopard! Hein? Sors-le d'ici! C'est un ordre! Bien, capitaine. Allez. Harry! Oui, capitaine. Ils en parlaient? Il n'y a rien à faire, mon capitaine. Ils gardent le silence. Continuez. Max, je vais te sortir de là. Oui, fais gaffe. Kid, t'en vois un? Il arrive. Échappé. Mais c'est pas possible! Hein? Ah, chut, allez, venez avec moi! Oui, capitaine. Oui, capitaine. Mandy! Oh, Max! Max! J'étais si inquiète! Non, mais je vais très bien. Tu dois partir tout de suite avec la petite. Hein? Allez, dépêche-toi. Ah, tu es de retour. Toi, tu prends l'enfant. Vite! Rends-la-moi, s'il te plaît. Viens ici, chérie. Tu vas te taire.
frère. Mon frère. Je te vengerai. Vous savez qui a tué mon frère ? Ouais, un homme appelé Philippe. Les Japonais offrent une belle prime pour sa capture, car il a descendu leur meilleur espion. Mais j'en ai rien à foutre des Japonais et de leurs compliments. Je veux ce connard et je veux sa tête. Alors j'ai juré de venger la mort de mon frère. Où est-il à ce jour ? J'ai entendu dire qu'il était au nord. Les Japonais ont décidé d'empêcher au sud les guerriers roses de lui venir en aide. Bon boulot ! Dans ce cas, allons tous vers le nord ! Oui, chef ! Max ! Max, quelqu'un approche ! Ouais. Billy, tu vas le chercher. Et pendant ce temps-là, on te couvre, c'est d'accord ? D'accord. Bien. Je vais. Relax. Relax. Ne tirez pas. Je viens apporter un message. Les choses vont mal. Beaucoup de personnes ont été tuées. Et puis ? Eh bien, il nous faut un chef. C'est urgent, il nous faut lutter. Qui nous prouve que tu n'es pas un traître, que tu ne mens pas ? Tu nous tends peut-être un piège. Allez, explique-toi. Les Japonais se dirigent vers le sud. Et ils ont tué beaucoup d'hommes. Ils ont brûlé nos champs les uns après les autres. On est prêt à suivre un chef. Et je suis venu. Tu sais, c'est pas si simple. Vous êtes vraiment notre dernier espoir. Nous sommes nombreux et courageux. Ensemble, au moins, on pourra peut-être les battre. Il a raison, tu sais. Bien, il n'y a pas de temps à perdre. Soyez prêts. Voici notre chef, Dan. Fantastique, fais-les entrer. Suivez-moi, chef. Salut. Et capitaine ? Ouais. Le commandant Max et ses hommes viennent d'arriver. Salut. Assieds-toi. Combien d'hommes sont prêts à prendre les armes ? Pas beaucoup. Le nombre n'a pas vraiment d'importance, mais leur courage. Tu es d'accord avec moi, Max ? Oui, je suis d'accord avec toi.
Deuxième point essentiel, les armes. Quel genre d'armes as-tu à me proposer? Nous avons des carabines, énormément de grenades et puis des couteaux surtout. De ce côté-là, donc, aucun problème. Je vais préparer avec mes hommes l'attaque. Merci beaucoup, Max. Je connais un allié américain. Il lutte aussi contre les Japs. C'est un agent secret. Il peut servir à détourner leur attention à un moment. Tu as fait du bon boulot. À moi de jouer maintenant. Bien, maintenant que vous savez tous à peu près manier ces différents fusils, je vais pouvoir vous expliquer notre plan. Écoutez-moi très attentivement. Premièrement, vous devez être prêt. Deuxièmement... Max! Max, écoute-moi, Max! Max! Max, je crois que dans peu de temps, nous serons à court de balles. Ouais, ce n'est rien. On les volera aux Japonais. C'est la première fois? Pas vraiment. C'est un Américain. M'en fous! Ah si, c'est important. Hey, montre-lui comment ça marche, tu veux bien? Il n'y a pas de problème. Prêt.
Vous devez être conscient que vous pouvez être tué n'importe quand. Les Japonais ont fait de notre pays un enfer. Vous avez le choix, ou bien vous restez là sans rien faire, ou bien vous luttez. À vous de choisir. J'ai décidé de lutter. Ces bouffeurs de poissons crus ne me font pas peur à moi. Il faut seulement du cran. Et de vouloir défendre notre pays, nos terres, nos familles. Tout ça n'est pas impossible. Si nous combattons ensemble, nous pourrons vaincre l'assaillant. Qu'en dites-vous? Il ne faut pas avoir peur de l'ennemi. Nous les vaincrons. Entendu? Agissez! Il faut agir tout de suite. Nous avons déjà perdu du temps. Il n'y a qu'à regarder autour de vous pour voir ce que les Japonais ont fait de nos vies. Qu'est-il arrivé à nos foyers, nos femmes, nos enfants, frères et sœurs? Nous devons lutter tous ensemble. Mais monsieur, qu'attendez-vous de nous? On n'est pas des soldats, puis on n'est pas nombreux, et les Japonais sont si forts, ils ont des armes, et nous n'avons rien à part des couteaux. Qu'est-ce qui vous arrive? Vous avez la trouille? Vous n'avez pas d'honneur? Nous les liquiderons tous, compris? Je dirigerai moi-même toutes les opérations. J'ai les armes nécessaires et je connais tous leurs plans. Si vous décidez de me suivre, mes hommes vous apprendront à vous servir d'une arme. Et alors, nous nous vengerons. Et maintenant, que celui qui a peur de se battre se montre. Moi, je n'ai pas peur. Moi non plus. Moi non plus, je me battrai. Nous les battrons. Nous les battrons tous. En dernier, ouais, ouais. Herbin. Même chose. Ouais, beau morceau, hein. Sortez tous d'ici. Dépêchez-vous. Sortez de cette maison immédiatement! Dépêchez-vous, sortez, imbécile! Hey. Mais tu vas la fermer, ta gueule! Toi, par là. Toi, viens ici. Allez, rendez-vous. Allez, on y va. Allez, va. Max, tu devrais te reposer. L'épaule te fait encore mal? Oui, oh, elle est seulement luxée. Oh, c'est rien. Tu étais-tu? Je t'ai préparé cette potion, elle va calmer la douleur. Vas-y, bois, c'est bon pour toi. Combien de temps crois-tu qu'on pourra continuer comme ça? J'ai pas de réponse à ta question. Je ne vivrai pas assez longtemps pour le savoir. Ne dis pas de sottises. Tu es notre chef. Crois-moi. Je sais.
J'ai souvent envie de tout laisser tomber. Tout ça me paraît tellement inutile. Quel que soit le moment, ma vie ne tient plus qu'à un fil. Je suis obligé de vivre avec cette idée en tête. Max! Max! Que veux-tu? Il y a un problème, Bill. Les Japs sont au village. Ils torturent tout le monde. Il faut faire quelque chose, vite! J'arrive. Il faut partir tout de suite. Ils mettent le village à feu et à sang. Fais attention. Ne t'inquiète pas. Attachez-les tous et enlevez-les du chemin. Tout de suite, celui-là en premier, vite! Vous êtes des traîtres. Vous vous prenez pour des héros, espèce d'imbécile. Lorsque vous serez tous passés entre mes mains, plus personne n'osera me défier. Capitaine Kirk. Sergent.
C'est bien toi, Max? Salut, Charlie. Comment vas-tu? Charlie, on ne pensait pas te voir si rapidement. Allez, entre, voyou. Tu vas bien boire un café? Merci. Merci, Mandy. Hein, j'ai pensé à la fin de la guerre, hein, que tout allait redevenir comme avant. Mais plus maintenant. Ne t'inquiète pas, Charlie. J'ai déjà oublié cette époque. Je veux rester en vie et le combat pour moi est vraiment fini. Les temps ont changé, la vie est différente, Charlie. Nous sommes heureux.
On a lutté, lutté, mais maintenant, nous voulons vivre en paix. C'est parfait. Bon, vous savez où me trouver. Rappelez-vous, si jamais vous changez d'avis, que Charlie vous avait prévenu. Venir ici plus souvent, n'est-ce pas? Bonsoir.
faites-vous là-bas? Que faites-vous ici? Ben, la voiture refusait de démarrer, mais j'ai trouvé la panne. Bon, dépêchez-vous de réparer. Allez, très bien, très bien. Bonsoir. Et pour voir. Et qu'en penses-tu, toi, Max? Pas grand bien. Ils reviendront. Méfiance. Tubby, et si on allait au restaurant italien ce soir, j'ai envie de pizza. Non, mais qui êtes-vous? Enfin, que faites-vous ici? Voilà, hey, les gars, voilà, faut y aller. Allez, on se tire, allez, on se tire, allez, vite, vite, vite. Allez, vite, vite, vite. Allez, tu vas par là. Oui, vas-y, grouille. Max, les flics sont là. Prenez vos armes, vite. Allez, Jean. Bah, il faut se tirer vite. Mais vite, allez, on se barre. Démarre. Oh les vaches. Dépêche-toi, merde. Ah ouais, Ben. Mais j'en sais rien, moi. Bon, bah, il se démerdera. On se tire. Ouais, bah, Ben nous rejoindra. Toi-même la balle. Michael, tu dois retourner à ton poste. D'accord. Mais tu peux y aller, Kid. Elle s'appelle Willy, Max. Elle était infirmière pendant la guerre. Elle va s'occuper de toi jusqu'à ta guérison. Serre les dents, Max. Prêt? Oui. Prêt.
Prends soin de lui, d'accord? Ne t'inquiète pas. Devez mon loyer. Que ce soit clair entre nous, sinon je veux vous voir déguerpir dès l'aube. Je suis un sot. J'ai eu confiance et voilà ma récompense. Je savais que les paysans étaient tous des voleurs. Je ne veux plus vous voir, allez dehors. Oh, pitié, monsieur Brummel, ne nous chassez pas de notre maison, nous vous verrons dans deux jours. Je vous jure, monsieur Brummel, ne nous chassez pas par pitié. Ferme ta gueule. Vous n'avez pas le droit de nous faire ça. Moi, je connais la loi. Je vous traînerai devant les tribunaux, je vous le promets. Tu veux jouer au dur? Tu es un fou. C'est réglé, on y va. Dis, Max, tu es sûr que tu te sens mieux maintenant? Je suis désolée, mais je ne peux plus m'occuper de toi. Tu devras te soigner toi-même, Max. J'ai si froid. C'est gentil de me prêter ta veste. Tu as été formidable, Willy. Mais je dois vraiment partir. Mais à mon retour, tu peux être sûr, je serai toujours près de toi. Je t'attendrai, Max. Je t'attendrai. Max, regarde qui arrive. Ah, Ben. Oh, ah, c'est bon de vous revoir. Mais j'apporte de mauvaises nouvelles. Brave Brummel,
Il a tué le pauvre Simon. Oui, au village. L'enfant de putain de salaud. Ouais, comme tu dis, mais j'aurai sa peau, je te le jure, j'aurai sa peau. De la mort de Simon. Je dois penser à un moyen de prendre ma revanche. Vous avez des idées, vous? Vous n'êtes que des foussards. La ferme. Allez, venez, venez. C'est bon. Il est déjà venu. Vous avez bien dit qu'il n'y avait rien. Ouais, ça, c'est une bonne idée, mon père. Ouais, d'accord. Allez, venez. D'accord. C'est moi qui l'ai dit. Les couillons. Les parlez toujours. Les... Ouais, qu'est-ce que tu vas en raconter? Allez, venez, dépêchez-vous, alors. Oh, putain, j'ai une dose de soif. Moi donc. Hé, hey, toi! Bonsoir! Veux une table pour cinq! Suivez-moi! La table là-bas, allez, venez avec moi, les gars! Essayez-vous! Et alors, qu'est-ce que vous voulez voir, hein? Ah, je commence à avoir faim, pas vous, les gars! Hé, ça va! Monsieur Désir? On veut commander à boire et à manger. On veut des steaks avec de la sauce tomate et de la bière. Beaucoup de bière. Et puis un verre de whisky, Don Martini on the Rock, un sec. Très et... bien. Et puis des sandwichs au crudité. Et des sandwichs nature, compris? Ouais. Et je veux aussi des frites. Beaucoup de frites et bien cuites. Allez, dépêche-moi, okay, ma femme. Tu as intérêt à bien nous servir, tu entends? Ouais. J'étais sûr de moi. Je savais qu'il n'y avait rien à craindre. Je le savais. Hé, hey, toi, je m'en occupe. Mon patron va m'envoyer si je vous laisse faire. Ouais, mais t'as pas vraiment le choix, hein? Eh bien, c'est de la bonne bière. Pour toi, merci. Bien, je crois que je suis prêt. T'as quartier libre? C'était trop drôle à faire, ce petit imbécile me menace. Je me prenais pour les tribunaux. Et c'est lui qui est juge maintenant. Allez, c'est pas trop tôt. Hein. Qu'est-ce que tu fais? Vous pouvez vous asseoir. Capitaine, l'enquête sur le complot des grands propriétaires, eh bien, les recherches sont négatives. Rien de nouveau. Je suis désolé. Quoi de neuf sur Pampanga? La plupart des actes de violence se passent là-bas. Eh bien, deux suspects. Le sénateur Hamilton de la Pampanga et son frère Landford, un ancien général. Ce Landford a disparu après la guerre. Ils sont tous les deux sous surveillance. Ça me paraît envisageable. Les bruits courent que ce Landford se trouve dans la forêt. Près de Santa Cruz, il faut vérifier ces informations. Vous allez patrouiller ici. Angelos, San Fernando et Los Altos. Hey. Il faut te
vas-y, toi. Non, je reste ici. Va chercher le chef et dépêche-toi, Bob. D'accord. Dis donc, mais qu'est-ce que tu fous ici, toi, espèce de voyeur? Okay, allez, 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 dégage! Okay, passez une bonne nuit, sénateur. Bonsoir, sénateur. Assieds-toi. Excusez-moi, mais je n'ai pas le temps de mettre un pantalon. Je parie que tu as passé une excellente nuit, Hamilton. Tu ne réponds pas? Bon, écoute, Max. Je n'avais pas le choix. Landford est mon frère. Hamilton. Sénateur Hamilton, tu as trahi ton propre pays. Toi et ton frère. Vous avez fait tellement de dégâts. Je n'ai tué personne. Si je n'avais pas coopéré, quelqu'un d'autre aurait fait la même chose, tu comprends? Tu comprends, Max? Max? Non. Je n'ai pas vraiment voulu les tuer, c'est vrai. Et puis on va te donner une chance, sénateur. On va voir si on peut te pardonner tous ces crimes. C'est une façon comme une autre de confesser tes péchés. Ta conscience après se sentira beaucoup moins coupable. J'étais très endetté. Je n'arrivais plus à payer. Alors j'ai commencé à jouer. J'ai perdu. Messieurs, il a fait de son mieux. C'est à notre tour maintenant. C'est à nous de faire de notre mieux. Donnons-lui une leçon.
Quoi? Votre frère, le sénateur, il est là-bas. Bonsoir, Max. Bonsoir, Franck. Demain matin, à midi, le général Landford va avoir un entretien avec vous, au lac Greenfield. Parfait. Après notre rendez-vous, vous ferez ce que vous voudrez. Des cadavres. Une petite discussion avec eux. Général, ils s'approchent. Soyez prêts et préparez-vous à les tuer. Je ne veux voir aucun de ces salopards vivant après notre passage. Soyez prêts. Préparez vos armes et tenez-vous prêts à tirer. Max, les flics nous pourchassent, allez! Faites attention, les flics! Couchez-vous! Les flics vont tirer! Cachez vos armes, vite! Tout droit en avant, toutes! Feu! Feu, il faut les rattraper! Continuez, en avant, toutes! Quoi? Bon, il faut les rattraper!
C'est bon, allez au camion! J'étais si inquiète à ton sujet. Je suis là, tu vois. Mike, Blackie et moi, on a trouvé Philippe. On t'attend pour la vengeance. Excellent. Mais où est donc passé Blackie? Il est resté là-bas, à le surveiller. Bonne initiative. On y va ensemble, mais une fois là-bas, tu attaques d'abord. Oui, Mike. Philippe, tu vas me payer très cher la mort de mon frère, je te le jure, mais tu ne m'échapperas pas. Hey, c'est là, cette maison, capitaine. Tu es sûr? Tu es vraiment sûr de toi, Bobby? Capitaine, est-ce que j'ai l'air d'un idiot? Je suis certain que c'est la maison, j'en ai vu sortir ce matin. Un grand bras, il était devant le portail. Parfait. On retourne à la base maintenant. Il faut vérifier que tout ce qu'il dit est vraiment vrai. Ouais, capitaine. Hé, les mecs, j'ai envie de danser. Essaye pas rigoler. Un peu de bière et pouf. Tout le monde doit avouer, pas droit à l'air, mais vous le derrière, merde. Non, mais laisse-moi tranquille. Max! Max! Oh, Max! Qui est là? Kid! Il faut partir d'ici, la maison est encerclée par l'armée. Allez, rentre vite. Rentrez.
Dépêchez-vous. Un moment. Et où est Ben? Je ne sais pas, Max. Je l'ai pas vu depuis ce matin. Très bien. Oh, Willy, j'ai tellement peur. Ils vont nous tuer? Je m'en occupe, ne t'inquiète pas. Madame, j'ai quelques questions à vous poser. Quel genre de questions? Je suis ici sur l'ordre du gouvernement, mission officielle. Bien, que voulez-vous donc savoir? D'après nos informations, des bandits sont ici, j'ai un mandat de perquisition. Venez! Où se trouve la sortie, Max? Hé, Max! Bien, je sais. Et ce tunnel a même plusieurs sorties près de là. Fouillez-moi ça! Allez, venez, les gars! Sortir. Demi-tour. Rien ici. Allez vite. Dépêchez-vous. Il faut les chercher. Allez, c'est les gars. Rien. Là, on est enfin arrivé. Personne. C'est impossible. Il y a quelque chose qui cloche, Bart. Mon informateur est de confiance. Continue les recherches. On va continuer, mais c'est inutile. À mon avis, ils ne sont plus là. Peut-être bien, mais je suis sûr qu'il y a une pièce secrète quelque part. De toute façon, je n'abandonnerai pas aussi facilement. Ils vont bien sortir un jour ou l'autre. Hé, hey, Max, sors de là-dedans! J'ai apporté de quoi manger, tu m'entends? Max! Hé, hey, Max! Je suis seule. Ils sont toujours là. Oui, Max. Ils veulent que tu te rendes. Le général a promis qu'aucun de vous ne sera châtié. Ne sois pas aussi têtu, je t'en supplie, Max, laisse tomber. Je n'abandonne pas une cause juste aussi facilement. Je ne me rendrai pas. C'est mon message pour le général et tu vas aller le lui dire, allez. Elle a sûrement raison, Max. La guerre est bel et bien finie. Nous avons tenté de défendre notre pays,
C'est fini maintenant. Nous avons fait de notre mieux, Max. Abandonne. Non, ne bougez pas. Et ne tirez pas, compris? À vos ordres. Bonjour, madame. Je dois parler à Max. Entrez, général. Il vous attend. Merci. C'est ici, général. Oui. Attendez-la. Max, Max, le général est ici. Tu peux sortir maintenant. Il n'y a pas de danger. Merci, Max. Max, je vous admire beaucoup. Vous avez rendu service à votre pays. Vos hommes et vous-même, vous serez largement récompensés. Vous pouvez compter sur moi. Mon général, ce n'est pas nécessaire. On a lutté pour les droits de notre pays. On ne veut pas être considérés comme des héros. On veut une justice pour tous. Et nous pensons que notre peuple doit être libre. Il faut arrêter les dirigeants corrompus. Dirigeants qui bafouent les droits des citoyens. Si rien n'est fait, tout est perdu. Ce n'était pas inutile. Vous verrez. Déclaré. La lutte est finie, on a rendu les armes, et il est temps maintenant de regagner nos foyers. Thank you.
Thank you.